France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. C'est votre heure, Alex Vizorek. Bonjour Patrick, bonjour Monsieur Berger, bonjour, bonjour à tous. Alors c'est la rentrée cette semaine et vous le savez Patrick, le paysage humoristique ne sera plus le même cette année puisque les guignols de l'info passent en crypté et n'auront plus les mêmes auteurs. Alors bien sûr, chaque dirigeant fait absolument ce qu'il veut de sa chaîne, mais en tant que service public, Patrick s'est senti investi d'une mission, offrir à un large public de l'humour à base de marionnettes et non influencé par les amis du patron. Bon, vu les budgets, on est deux à tout faire. Guillaume Meurice, marionnettiste de père en fils, imitation, écriture, tout ça, on y va, jingle. Profite du jingle pour enfiler les marionnettes parce que c'est pas facile. On y va, ah, ça, c'est chouette, on sent le cryptage. Oh, là, attention, on le cache. C'est parti. Bonjour les enfants, je suis le grand sorcier de Canal+, Vincent Bolloré. Oh, Augustin Trapenard est là, je l'aime bien lui. Lui, il va rester. Mon ami Nicolas ne devrait pas tarder à me rejoindre. Oui, bonjour, me voilà. Oh, bonjour Nicolas. Bonjour, comment tu vas Vincent? Ça se passe bien. Tiens, je te ramène les clés du yacht. J'ai parmi des cents en partant. Hein. Tu mettras ça sur ce que tu me dois grâce au bouclier fiscal. Hein. Mais bien sûr, c'est l'amitié. Dis Vincent, tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'amitié tant qu'on y est, est-ce que je peux te demander un petit service? Mais bien sûr Nicolas. Bon, ben voilà, j'aimerais bien être réélu en 2017. Moi aussi, Nicolas, j'aimerais que tu sois réélu en 2017. Oh, tu penses à moi, Vincent. Non, non, je pense à mon pognon. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça l'amitié aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, tu te souviens que les guignols, ils avaient fait gagner Chirac. Ah, tu dois t'en souvenir encore mieux que moi, toi qui as pris une grande claque en soutenant Balladur. Oui, voilà, bon, bah, d'accord. Bah, justement, voilà, tu sais ce que les guignols, ils disent de moi. Mais non, j'écoute pas. Ils disent Sarko, il a changé, il est pire qu'avant. Bah, et c'est pas vrai? Oui, si, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai, mais faut pas le dire. Moi, ça m'attriste. Hein, moi, si j'avais une chaîne de télé, j'accepterai pas qu'on attriste un ami, c'est comme ça. Bon, voilà. Bah, je vire les guignols alors. Ah, c'est toi qui le propose, Vincent. Bonjour! J'ai entendu que vous viriez quelqu'un! Ça m'intéresse! Oh, Maïtena, comment vas-tu? Vous allez virer quelqu'un, je peux prendre sa place? T'as déjà celle d'Antoine de Caunes, ça fait beaucoup, non? Oui, mais moi en ce moment j'ai la grosse patate! Patrick Cohen, fais gaffe à ta place aussi! Du calme, Maïtena, va plutôt préparer le grand journal, on a déjà une semaine de retard sur Hanouna. Bon, d'accord. Dis, Vincent. Si tu cherches quelqu'un, je peux te proposer mon fils Jean? Non, c'est gentil, c'est ça. Ah, encore raté, je le placerai jamais celui-là. Bon, ok, pour les guignols, on passe en crypté. Bon. Ah non, tu m'as dit je les vire. T'inquiète, Canal encrypté, les gens ne regardent le foot et le cul. Oh, bon, vendu encrypté. Mais alors tu changes les auteurs, hein? Ah bah, ça tombe mal, j'ai personne. Ah bah t'inquiète, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Hé, toi, viens ici. Oui, oui. Mais c'est qui? Bah c'est Oui, oui, hein, c'est ça? Oui, oui. Oui, oui, auteur des guignols? Oui, oui. Ah, il est parfait. Tu sais écrire des sketchs, hein, Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Mais il va pas être très subversif, mais celui-là. Mais si, bien sûr, tu vas être subversif. Ah oui, oui, tu vas écrire des sketchs sur François Hollande? Oui, oui. Voilà. Oui, mais on peut pas taper que sur Lago. Oui, bah je comprends bien, mais tu vas être subversif, hein? Oui, oui, tu vas écrire des sketchs sur Juppé? Oui, oui. Voilà. Oui, je peux lui poser une question, Nicolas? Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que tu vas être subversif quand tu vas écrire des sketchs sur Sarkozy? Ah, Patrick, on est passé en crypté. Voilà, je sais pas, je vous dis à la semaine prochaine et gardez-moi parce que je pense que j'ai pas de place sur Canal cette année. Sinon, vous demanderez à Augustin. La rentrée Canal jusqu'au 7 septembre. On attend tout ça avec impatience. Augustin a passé un bon moment. Ouais, je le sentais. Alex Vizorek avec la participation de Guillaume Meurice à vous en vidéo sur franceinter.fr. Merci d'avoir suivi ce 7-9. Merci à vous, Laurent Berger. France Inter, il est 9h30.